Et bonjour tout le monde! Aujourd'hui, eh bien, je vais continuer un petit peu ma construction du château. Je dois dire que c'est vrai que j'ai laissé un peu à l'abandon pour le moment. Je vais devoir m'y remettre un petit peu quand même. Je ne vais pas continuer la partie chambre pour le moment parce que tout ça je ferai en off, je pense. Si je dois juste avancer les murs, honnêtement, ça va pas être très sympathique. Alors je pense que je vais juste mettre un petit peu quelques poteaux par-ci par-là, histoire de vous montrer un peu comment je procède. Mais ça va être tout en tout cas pour cette partie-là. Là, je vais m'occuper un petit peu de la partie cuisine et ses alentours. Donc c'est-à-dire surtout de m'occuper de la partie, on va dire, champ. Oui, la partie champ que je ferai donc par ici, je pense. Tout ça, ce sera des champs. Alors, c'est pas très grand encore pour le moment, mais je pense que je vais aussi repousser un petit peu la palissade par là-bas. Par contre, il va me falloir une entrée, et l'entrée, je pense que je vais plus la faire sur l'arrière, donc de ce côté-ci. Et pour cela, il va falloir que je mine un petit peu ici. Alors, j'ai pas miné jusqu'au bout, mais juste histoire de me faire une petite entrée. Ben, je crois malheureusement que je vais devoir. Ah, même pas, je pense que ça va être bon. Voilà, je vais faire comme ça. Et puis, on va remettre tout ça un peu à plat. Alors, évidemment, là, j'ai pas beaucoup d'endurance actuellement. Tiens, il y a du cerf qui traîne dans le coin. En fait, j'aurais peut-être dû commencer par ça déjà. On est bien sur aplanir, on est bien d'accord. Est-ce que j'ai de la pierre? J'en ai 6. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir aplatir ça correctement. Faire à peu près. Voilà. Et puis, pour le moment, je pense que ça ira. Est-ce que ici je peux remettre à plat? Approximativement, là il y a encore une petite bosse. Voilà, je pense que là c'est bon. Ok, ça suffira de toute façon pour le moment. Pour ce que je veux faire ici. Je vais voir un peu. Ok. Je n'ai pas d'établi, donc il va falloir que j'aille en chercher un. Le mieux, je pense que ce serait de passer par là. Je peux toujours prendre mon petit raccourci, je crois. Enfin, raccourci. Façon de voir les choses. Il va falloir que je ramène une table. Ou alors, non, je crois qu'ici je n'ai pas. Est-ce que j'aurais une table là-bas de tailleur de pierre? Exactement, j'en ai une là-bas. Donc cette partie, normalement, j'ai terminé. Ça, c'est tout bon. Donc ça, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Bon, ça faisait pas joli, mais c'est pas grave. Je vais juste poser ça ici. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit trou par ici. Ouais, pourquoi pas. Si je mettais juste une porte, je pense que ça pourrait le faire. Voilà, on va juste mettre ça pour me faire une petite sortie. Ok. Là, on est bon. Il va me falloir maintenant. D'abord, on va devoir aplanir un peu toute la zone. Ça, par contre, il va falloir que je casse aussi. Ou ça peut faire une petite déco, mais. C'est vrai que je suis pas super convaincu non plus. Il
Je vais faire une partie là, comme ça. Par contre, pour ici, je disais, bon, ça a l'air d'aller. Là, ça passe. Je vais mettre un peu de pierre également ici. Quelque chose comme ça. Alors, je continuerai encore jusque là. Et puis ici, je pense que je vais couper un peu par là comme ça. Voilà, c'est pas très plat, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas franchement obligatoire. Et c'est que ça consomme beaucoup d'endurance, tout ça. Ça, j'en ai pas besoin. Ok, on va couper encore cette pierre-là. Et par là, je pourrais mettre des escaliers qui descendent aussi. Ça pourrait être assez joli. Tout ça, par contre, ça, je vais pas en avoir besoin. Ça non plus. Ce petit pont, je me demande, est-ce que je le garde ou pas? Peut-être. Ça, c'est dommage. Ça va falloir que je trouve quelque chose. Il faut que je trouve une solution. Il faut absolument que je me fasse un passage dans le coin. Il faudra que ce soit un petit peu dégagé quand même. Là, j'avais décidé de monter ça juste pour mettre ces poteaux, ces pylônes. Est-ce qu'ici je vais fermer? Je sais pas comment est-ce que je vais procéder. Peut-être que je pourrais continuer puis mettre une porte aussi ici. Là également, j'ai fait la même connerie. Bon, ça je verrai plus tard. Ouais, mais j'ai pas le... Bon, c'est pas grave. Alors, jusqu'où est-ce que je pourrais pousser ici? Tu me déranges, toi. Ah, évidemment, maintenant que je sors mon arme. Il part. Non, c'est clair que là, c'est clairement pas assez grand. Je vais voir ce que je peux faire là aussi. Ce sera des champs en longueur, du coup. Bon, ça pourrait le faire comme ça. Ça paraît un peu bizarre. On va quand même creuser un petit peu. Je vais faire quelque chose d'assez plat. Approximativement, en tout cas. Ce cerf m'énerve un petit peu. D'ailleurs, il n'a rien à faire là, mais bon. On va faire avec. Approche-toi encore de moi, je vais sortir de l'épée, tu vas pas comprendre. Ok. Ah, je fais quelque chose comme ça.
Ici, je pourrais me permettre de faire des escaliers. Mais là, pour des champs, il me faut quand même quelque chose d'assez grand. Mais... J'aime pas beaucoup. Ça me paraît un peu trop fin. Et je parle même pas d'en bas. Sinon, il va falloir que je creuse encore ici. Et là, ça va être un peu long quand même. Bon, alors je fais une petite partie là également. Parce que j'en ai quand même déjà suffisamment. Mais là, je pourrais faire ça en trois parties. Mais la partie là, elle est quand même très fine. Alors, on est bon. Ouais, encore jusque-là, ça irait. Pour le moment, ça suffira, je dirais. On va faire comme ça. J'ai vraiment envie déjà de voir ce que ça va donner. Ok. Là, c'est un peu plus large. Par contre, j'ai envie de faire ça. Aller jusqu'au bout. J'ai quand même l'impression que j'ai de la peine quand même. En coupe de bois, je suis à où? H7, couper du bois 51. Si tu perds du niveau, normalement, quand on meurt, c'est un seul niveau qu'on perd, pas deux. En tout cas, j'espère. Ce serait un peu dommage. Un petit peu. Mais apparemment avec le craft de nourriture que je peux me faire, j'aurais besoin de navets quand même. Ok, là, je pense que je suis bon. Je peux peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus large. Voilà. Et ici, ce sera pour descendre. Donc ça me fait 1, 2. Il va me falloir 3 parties. Je pourrais peut-être me faire la partie ici. Il va falloir que je coupe le dépôt de cuivre là, enfin que je coupe. On se comprend. Ça, on va le mettre là. Bon, c'est vrai que ça me ferait quand même plus de place si j'ai cherché un tout petit peu plus loin. En tout cas, jusqu'à la pierre, enfin jusqu'au dépôt de cuivre.
Bien. C'est un tout petit machin, mais enfin bref, ça ira très bien. Juste à couper encore un peu ça. Au pire, je pourrais aller un petit peu plus loin. Ok, allez, on est bon. Maintenant, je l'ai pas. Il va me falloir mon cultivateur pour que je puisse faire pour que je puisse faire mon champ là, tout simplement. Il commence à m'énerver celui-là. Tiens. Ok. L'intérieur aussi, il va falloir que je fasse quelque chose. Mais je vais pas faire maintenant. Est-ce que je vais vite chercher mon cultivateur? Je pense que oui, parce que là j'ai 2 minutes 20. Il va falloir également que je me fasse ici tout ce qu'il faut pour la cuisine. Il me semble que j'ai de l'étain. Et qu'est-ce qu'il me fallait également pour... juste de l'étain, ok, avec la forge. Je sais pas si je l'ai toujours ici, la forge. Non, j'ai changé de place. Par contre, lui, il était là. Attendez voir. Ah oui. Je voulais juste me prendre un petit truc. Ça, si jamais je vais avoir besoin de bois, et je vais en avoir besoin. Par contre, ici, je vais mettre des petits coffres simples. Et je vais peut-être faire ça. Non, je vais faire ça après. De toute façon, il va falloir que je me repose. Non, je voulais faire ça. Il y avait de la pierre. Et ici, on avait quoi déjà? Un petit peu de pierre et ça. Ok. Voilà, en même temps, ça, je vais pouvoir laisser là aussi. Parfait. Est-ce que je devrais mettre deux portails ici aussi? Bon. On arrive au soir, c'est le petit coucher de soleil pour le moment. Alors, 2 minutes, je vais reprendre de la nourriture également. D'ailleurs, il va me manquer ça. La soupe d'oignon. Là, je ferai ça une autre fois. J'étais juste en train... Qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah voilà. Je crois qu'il ne me fait rien d'autre. Juste jeter ça là dans la flotte. Ça, je n'en veux pas. Hop! Non, j'ai oublié le cultivateur. On y retourne. J'ai pris l'habitude quand même de fermer à chaque fois la porte. Alors que bon, c'est pas obligatoire. Ça va demander réparation, tout ça. On va réparer là-bas.
réparer. Ça va. Non, j'ai vu. Ouais, bon, c'est pas grave. Je suis passé par là, mais j'aurais pas dû. Alors, pour l'échange, j'ai déjà commencé par la partie du bas. Construction, non, fabrication. Est-ce que j'arriverai? Est-ce que je peux faire quelque chose à... Pas vraiment. Je vais la mettre là en attendant. Oui, si, très bien. Ok. Cette partie, c'est bon. Après, il va falloir voir les imperfections. Là, je pense que c'était bon. Quand même de quoi mettre, il va falloir que je teste un petit peu. Donc ça m'en fait deux, et puis troisième, je vais le faire là, mais là c'est vraiment minuscule. Ouais, je pense que je vais devoir couper un petit peu tout ça quand même. Bon, ça va encore assez vite avec le sombre acier, mais. Faut pas se cacher que ça prend quand même du temps. Eh ben, toujours de la consommation d'endurance. Jusqu'où est-ce que je vais pouvoir aller? Je pense que j'ai tout coupé et puis il va falloir tout aplatir. Mais je vais pas faire ça maintenant, je fais juste une petite partie pour voir un peu. Je pense que ça ira très bien. On est à peu près là, on est à peu près bon. Il y a une petite bosse, mais c'est pas grave. Je vais juste prendre celui-là.
c'est déjà assez grand. Ok. Ça m'en fait 3. Je trouve que ça fait pas trop mal quand même. Est-ce que je me mettrais des petits trucs en bois pour. Comme je faisais d'habitude. Est-ce qu'il m'en reste ici? Non, pas du tout. Il me restera plus qu'à planter également. Ah oui, je n'ai pas assez de place, mais ça doit s'agir de ça. C'est ça le problème particulièrement. Le truc en bois, je pense que je vais attendre encore un petit peu. Mais là, je trouve pas mal quand même de faire ça, les champs à côté de la cuisine. Ça m'évite d'aller faire à chaque fois des kilomètres pour rien. Il me faudrait un petit espace ici, ou alors je le mets là. Et celui-là, je déplace d'ici. Ouais, là, contre le coin, ça peut être pas mal. Il va me falloir donc. Qu'est-ce que je ferais? Ça pourrait être bien. Cinquante. Ah non, c'est pas la même chose. À partir d'où? On va dire à partir de la moitié à peu près. Comme ça. Donc ici, je mets des coffres simples, hein. C'est tout à fait normal. Voilà, ça c'est parfait. Je vais mettre encore ça. Au final, ça va très bien deux. J'ai plus assez de bois. Juste de quoi en mettre un. Pour le moment, ça suffira. Il va m'en falloir encore un petit peu plus. Est-ce que je mets tout ici pour une nourriture? Je vais quand même aller chercher du bois. Et puis, du coup, bah, j'en profite pour mettre ça. J'en ai ici. Des coffres, j'en ai un peu partout d'ailleurs. Là, il y avait de l'étain, je vais en avoir besoin. Un peu lourd. C'est pas grave. Gentiment. Va falloir que je commence à décorer aussi un petit peu ici.
Bon, pour la cuisine, je sais que je vais avoir besoin de place, donc là c'est vraiment une petite partie. Ah, ça c'est bête, ça va, j'y arrive. Voilà. Ça en fait quoi? 3-5, ça fait 15 coffres. C'est à peu près, non, j'en ai même encore plus de l'autre côté. De l'autre côté à mon ancienne base. Donc ici, j'avais besoin également de ça, mais il me faut une forge. Je vais aller en chercher. Ou alors, comment ça se construit déjà la forge? Ben non, de fabrication, cette pierre, charbon, bois. Et cuivre. 6 cuivres, je crois. Je les ai là. Les pierres charbon. Du charbon, je devrais en avoir là-bas. D'ailleurs, il va falloir que je me refasse encore un petit stock, là aussi. Et combien t'en as besoin du charbon? Il en a besoin de 4 seulement. Ça va très bien. Ok. J'avais dit la dernière fois que j'avais un petit peu avancé les coffres. Alors, je sais plus ce que j'ai foutu. Bon, c'était support de coffre, je sais plus exactement. Enfin bon, voilà. Une partie de coffres sont là, ils sont loin d'être remplis et certains sont totalement vides. Qu'est-ce que j'ai foutu? Il me faut du bois et de la pierre. Où se couche là, où se cache la pierre? Ici. Ok, et puis du bois ici. Quel côté est-ce que je vais mettre ça? Je pense que je vais mettre là. Et ça coûtait combien? C'était 3 fers et 3 chaînes. Donc de la chaîne, j'en ai pas ici. On verra ça à un autre moment. Ok, comme ça, c'est à fond. Alors maintenant, comment procéder? Qu'est-ce que j'ai à mettre dans une cuisine? Eh ben, des tables, des chaises, et puis un petit peu de décoration, un peu par-ci par-là. Ces coffres-là, ce sera pour une partie. Je pense que j'en ajouterai peut-être encore un là ou à côté plutôt. Où la table de fabrication se situe. Et si je mettais ça ici, ça fonctionne. Comme ça, oui. J'ai plus que de bois. Donc il me faut ça et ça. Oui, je pense que c'est assez grand. J'arrive plus à retrouver ce que je cherche, hein, c'est dingue. En manque de bois. Je vais aller chercher là enfin, le bois où il est. Les améliorations, on verra à un autre moment.
Mon Dieu. Et dire que j'enregistre ça le soir, forcément, ça me fatigue. Tiens, ça y est, ça recommence. Toi, on va te mettre là. Du fer et de la chaîne, j'avais dit, pour construire justement ce... C'était comment ça s'appelait d'ailleurs? Cuisine en fer. Si jamais je dois cuire quelque chose là-dessus, comme la viande de l'ox, je sais très bien que je peux pas la cuire en... dans une cuisine, on va dire, en guillemets, moderne. Ok, et puis les améliorations. Ouais, d'accord, donc ça je vais pas faire maintenant. J'en ai quand même pas mal à poser. Donc là on est bon. À peu près en tout cas, ça va faire tout l'air. Il commence déjà à faire nuit. Non, ça c'était fait. Et puis là... Je sais pas encore où est-ce que j'ai posé quoi. Et puis il va falloir que je me fasse aussi un avant-poste au niveau des plaines. Il faudrait des plaines quand même assez grandes. Ah oui, c'était ça que je voulais faire. Ah, comme je vous le dis, je suis fatigué. Qu'est-ce que je cherchais, mais c'est dingue. Ah oui, dans divers. Bah oui. Si je regarde là, c'est mieux. Ouais, non, on va faire comme ça. Honnêtement, quand c'est joli, c'est mieux, mais là, j'ai pas spécialement envie. Ok. Je n'avais pas vu du tout là le temps restant pour la nourriture. J'ai peut-être fait un peu le con. Alors si je fais ça, c'est un peu pour le côté pratique, enfin esthétique plutôt. Tiens, il va falloir vraiment 313 et j'ai encore besoin de place. Ouais, le côté, enfin RP en gros. Mais sinon, que ce soit joli ou pas joli, je m'en fous un petit peu en gros. Mais... Parce que là, je passe pas beaucoup de temps à ma base, ça c'est sûr. Ah, allez. On verra à un autre moment. Allez, je vais aller dormir un petit peu. Et
ici c'est vrai que je n'ai toujours pas de lit. Mais si je vais me retrouver avec mes 19 minutes, oups, il va falloir. J'avais de la pierre, etc. Ok, ça, ce sera pour une autre fois. C'est quand même dingue comme des si petites choses peuvent me prendre du temps. Bon, à refaire le terrain, ça c'est le problème des forêts noires, à moins que vous trouviez quelque chose entre guillemets adéquat. Vous pouvez vous installer dans les forêts noires, assez sympathique. Ok, il n'y a pas de place pour ça. Pas très grave. Je me trompe de porte, bravo. Bien. 370 de jour. Combien de temps ça fait? Ça va me l'indiquer normalement. 366. Mais que le temps passe vite. Bien. Et puis c'est quelle heure là? Ok, allez, 10 minutes. Je vais vite me faire ça pendant 10 minutes. J'aurais pas fait grand chose en tout cas là pour approximativement 50 minutes. J'en étais à où là? Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Et j'étais en train de mettre des barrières, mais je crois que c'est tout bon. Presque. On va les laisser comme ça pour le moment. Oui, bon, c'est quand même vachement grand en fait. Faut pas exagérer. Donc, puisque ça c'est bon maintenant. Ok, donc là on a encore celui-là et celui-là. Bien. En même temps, si j'ai du marbre, je pourrais faire quelque chose ici encore. Mais bon, c'est pas le cas pour le moment. D'accord, il y a quelque chose, il y a rien de nouveau. C'est quoi ce bruit? Ah, rien. Non, mais à côté de la cheminée, ça se fait pas. Et puis je verrai une prochaine fois, au pire, si jamais je dois ajouter des coffres. Le reste, sinon. Comme ça, par exemple, on va le mettre ici. Ok, je me demande quand même, est-ce que je me fais une petite partie aujourd'hui de 40 minutes à peu près? Je pense que oui, là je commence à tomber sérieusement. Il va falloir que j'arrête un petit peu par là. Mais j'ai quand même avancé, hein. Pas grand chose, mais avancé. Thank you.
Ok, peut-être que la prochaine fois, donc, je continuerai un petit peu la partie construction sur donc sur la construction du château. Là-bas, j'avais planté des oignons. D'ailleurs, je vais en avoir besoin un petit peu, en tout cas. Je crois que j'en avais trop également, ça sert à rien que je rajoute pour le moment. Quoique, oui, peut-être quand même, si j'aimerais transporter ça en cuisine. C'était pas réparé, j'ai complètement oublié. Un corset de bout de bois. Mais de là, au fond, on s'en fout. Alors pour le miel, ici j'étais plein. Ah, d'accord, ouais. Blanc. Ici, il me reste encore. Eh bien, écoutez, parfait. Je n'ai vraiment pas foutu grand-chose. Je suis vraiment désolé. On verra demain ce que je vais faire. Mais bon, en tout cas, ouh là là. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!